Quel est le rapport ou qu'est-ce que le quadrivium peut-être? Je vous propose qu'on débute avec ce sujet-là. Oui, eh bien, c'est sûr que le sujet peut sembler un peu particulier, parler du quadrivium et puis la préhistoire, puisque on apprend toujours que le quadrivium daterait de Pythagore, de son école au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais le quadrivium, ce n'est pas nécessairement un enseignement en réalité. C'est plutôt une voie ou un quadruple voie qui a un but précis. Ce but, c'est se relier à l'esprit. L'esprit, dans ce contexte, est considéré comme une intelligence supérieure qui existe dans le cosmos. Et que l'homme est coupé de cet esprit, et il doit chercher à se relier à cet esprit pour, en quelque sorte, connaître sa véritable dimension. Et donc, le quadrivium, c'est une voie. Quadrivium, ça veut dire quadruple voie. Et donc, Et donc, en tant que qu'est-ce que le tel, quadrivium? pardon? Le quadrivium en lui-même, pour ceux parmi nous qui ne connaissons pas le sujet, ça recouvre quelles voies ou quelles quatre voies sont-elles rassemblées à travers le quadrivium? Alors, voilà, quadrivium, c'est le quadruple voie. Et donc, il s'agit de quatre matières qui sont les nombres, la géométrie, la musique et l'astronomie. En réalité, l'origine de tout, c'est le nombre. On peut dire, c'est la pensée qui précède à la création. Parce qu'on dit au commencement était le Verbe, mais avant le commencement était le nombre. Et ensuite, le nombre va se déployer dans l'espace, ça va donner la géométrie. Ensuite, la nombre se déploie aussi dans le temps. Ce qui donne la musique, ou l'harmonie, le rythme, enfin. Et puis le nombre se déploie dans le temps et dans l'espace, c'est l'astronomie. Voilà, donc D'accord. c'est le nombre qui est à l'origine de tout. Mais en étudiant par exemple l'astronomie et les cycles astronomiques, on peut retrouver les éléments à la fois de la musique, c'est l'harmonie des sphères, de la géométrie, c'est le rapport de la positionnement des astres entre eux, et puis aussi des nombres, évidemment.